Just know that you're not in this thing alone. Hi, and thank you very much for this question, which is bonjour, bonjour, bonjour. Merci, merci Flora, bonjour, merci. Merci pour tous vos voeux de bon anniversaire. Merci Gloire. Let's just go back, 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 back to the start, yeah. Sure enough, what we're fighting for. Les scorpions, là, vous me calculez. And we don't know what we're fighting for. We gotta fight, 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 fight for this love. We gotta fight, 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 fight for this love. Now every day there will be no picnic. C'est ça que je vous ai beaucoup manqué. On m'a même pas écrit pour me demander comment je vais. Bonjour à TikTok. Bonjour ceux qui sont sur TikTok. Bonjour et bienvenue. Bonjour Facebook. Bonjour Tania, merci. Bonjour Laurette. Bonjour Nanou, merci. Vous voulez manger quel gâteau? C'est le moment de vous donner, m'envoyer les choses. Chili, bon, merci et bonjour. Christophe, merci. Michel, merci, merci, merci. Merci pour les vœux de bon anniversaire. Je suis très flattée. Je suis très honorée par vos prières, vos vœux, vos dons. Merci. Certains m'ont envoyé le pilier avec l'avocat. Merci. LTD. Merci pour les fleurs. Lauriane. Vous savez, c'est la grâce de Dieu qui me permet de fonctionner. Je voulais planifier ce direct, mais ne permettez pas. Donc, je suis à Libreville. Ceux qui me voient à Libreville, c'est demain. Merci beaucoup, Davina. Ceux qui veulent me voir à Libreville, c'est demain. Le numéro, c'est le 0741-80-080. Tu es dans mon direct, tu m'écris que je vais faire comment pour le dire. La femme des Néo, là. Je n'ai pas dit ton nom. Pardon, allez acheter mon coin, moi. Je vais m'aller au coin. C'est comment avez-vous? Ok. Donc, il y a beaucoup de choses que je veux faire aujourd'hui. Vous savez, chaque fois que j'ai un événement, quand c'est Noël, bonne année, mon anniversaire, quand quelqu'un meurt, j'en profite pour m'asseoir et faire une sorte de récapitulatif de ma vie. Genre, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis en train d'aller là où je veux? Donc, comme j'étais parti, là, si je continue comme ça, est-ce que c'est là où je voulais arriver? Et ça, ce sont des questions que parfois on ne se pose pas. Et, oh, bonjour le petit oiseau, tu es venu me souhaiter joyeux anniversaire. Merci beaucoup, merci. Alors, hier, tu étais à ma fenêtre, d'ailleurs, ouais. Je pense que c'est important parce que chaque fois que j'ai fait une sorte de
chaque fois que j'ai fait un récapitulatif de ma vie, j'ai pu prendre des décisions. Parfois, tu fais un petit changement de 2 degrés et au bout d'un an, tu as un changement de 45 degrés. Voilà. Donc, je vais inviter les ancêtres. Je demande la présence du Saint-Esprit. Pendant que je parle, je demande la présence de mes ancêtres. J'appelle ma mère et je remercie le Seigneur de m'avoir permis de passer d'esprit à chair à travers cette femme. Elle s'appelait Guémier Aurélie. Donc, je te salue, maman. Je salue aussi ma grand-mère, non, la mère de ma mère. Je salue la mère de mon père. Et je salue mes 2 grands-pères. Ok? Voilà. Bon, ils sont tous morts, hein, tous. Il n'y a que mon papa qui est vivant. Bon, j'ai parlé avec lui ce matin. Donc, mon père vous passe ses salutations. Il dit qu'il est heureux de m'avoir, d'avoir participé à ma procréation. Bon, je blague. Ok. Vous savez, ma vie a commencé à changer quand j'ai commencé à croire que sincèrement, les prophéties de la Bible s'appliquent à moi. Et quand je grandissais, bon, la Vierge Marie me rappelle que j'ai oublié de l'inviter. Ok, bienvenue Vierge Marie. Sois la bienvenue maman. Ok. Elle vous envoie beaucoup d'amour. Merci pour vos vœux sur TikTok. Merci, Gisaël. Merci. Je veux voir dans quelle direction ils veulent que je parle. Dans quoi je vais commencer. Ok. Bon, il m'oriente vers mon histoire et j'espère que ça va permettre à quelqu'un de voir son déclic. Bon, quand je grandissais, j'ai grandi, vous connaissez tous, j'ai grandi à Bafoussam, à Tongan. Et on peut dire que je n'avais pas les meilleurs, en anglais on dit credential, je n'avais pas, tout n'allait pas dans ma faveur, dans l'environnement où j'ai grandi. Donc on peut te dire que j'étais pas une enfant de riche, j'étais pas dans une maison avec, il n'y avait pas la voiture. Je ne sais pas, on peut dire, j'étais dans un quartier quand on voyait la voiture, même on se disait, waouh, la voiture. On venait, on s'attroupait à côté de la voiture, on regardait. Mais il y avait ce truc en moi qui, je ne sais pas pourquoi, mais je savais que j'étais spéciale. Je savais que ce n'est pas seulement ça. Et dans mon quartier, les gens mouraient beaucoup. Et quand les gens mouraient, tu pouvais carrément voir leur cadavre. Donc, vous connaissez en Afrique, non? Quand les gens meurent, surtout au Cameroun, et je ne sais pas pour le Gabon, mais quand quelqu'un meurt au Cameroun, tu es là, tu as 5 ans, tu vois le cadavre de la personne. C'était un peu ça. C'est dans ça que j'ai grandi. Merci pour vos voeux de joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Donc, quand je vivais dans cette pauvreté et en même temps dans cet endroit où les gens mouraient beaucoup, j'avais cette sensation que je vais toucher les gens. Je ne vais pas... quand je voyais la pauvreté, je savais que ce n'était pas mon truc. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez cet appel à l'intérieur de vous. En fait, c'est le vrai toi qui essaie de sortir de l'intérieur de toi, qui essaie de communiquer avec toi. Et parfois, je me rappelle, je regardais souvent les étoiles. Et je croyais beaucoup aux contes de fées. Je ne sais pas pourquoi, mais je croyais beaucoup aux contes de fées. Donc après ça, quand j'ai eu 10 ans, je suis partie de là-bas, j'ai commencé à aller de maison en maison. Vraiment, j'ai beaucoup voyagé dans les maisons des gens. Donc, du coup, j'ai vu beaucoup de styles de vie. Certains étaient riches, certains n'étaient pas très riches, certains étaient pauvres, certains étaient... Donc, je suis allée de maison en maison, j'ai vu plusieurs types de personnalités. Et que, quand tu sors de ton environnement, n'ayant pas grandi avec tes deux parents, tu cherches une identité, tu cherches qui tu es. Tu as l'impression que tu cherches, tu regardes, est-ce que c'est la... Ma mère n'était pas comme un modèle que j'ai eu, genre, j'ai observé ma mère, parce que ma mère était toujours en train de travailler, donc... Et ma mère ne parlait pas beaucoup dans le sens où j'observais ma mère, mais je ne peux pas dire qu'elle me passait des choses. C'est en l'observant que j'ai pris quelques leçons d'elle. Donc, dans toutes ces maisons, j'essaie de regarder les femmes que je vois, une tante, je la regarde. Est-ce que je veux ressembler à elle? Et donc, je peux dire que j'étais un peu perdue.
Et je cherchais un truc auquel j'appartiens. Je cherchais. Tu vois, quand tu cherches un endroit, tu peux dire que voici, tu vois, like, I belong here. Une tribu, on m'a dit comme ça. Je cherchais, mais je ne trouvais pas. Quelqu'un me dit que dans son village, même à 15 ans, tu ne peux pas avoir un cadavre. Ben, monsieur ou madame, telle personne. Je ne sais pas pour toi, mais chez nous au Cameroun, tu as 5 ans, tu passes devant le cadavre. Hein. Ouais. Quand on fait la veille, on expose. Bon, de toutes les façons, je vais quitter là. C'est pas très important. C'était un détail. Donc. Oh non, on dit que t'es fini, toi. Je cherchais ma cola. Je mangeais une cola. Bonjour, la reine Roland. Comment tu vas, ma chérie? Tu as préparé quoi aujourd'hui? C'est mon anniversaire, donc il faut que je vienne manger chez toi. Bon, excusez-moi, je continue mon histoire. Donc, en cherchant. Tu vois, sans le savoir, si tu es une fille, tu vas te retrouver en train de chercher une identité chez l'homme. Donc, du coup, on m'a dit le premier homme qui a commencé à me donner de belles paroles. Et je veux dire que le premier garçon avec lequel j'ai commencé à sortir, c'était un visionnaire. Il a commencé à me donner, à m'encourager. Genre, on va devenir riche. Ça, c'était les paroles que j'avais jamais entendues avant. Et ils ont dit que non, après, il faut que tu partes en Europe. Donc, dans mon entourage, je n'avais pas les gens qui parlaient dans ma vie pour m'inspirer. Et le jazz. Mais quand j'ai commencé à côtoyer des personnes, ces personnes ont commencé à parler des mots qui m'ont inspiré, qui ont commencé à faire que je voyais loin. C'est comme ça que je l'ai rencontré à 16 ans. J'ai commencé mon premier gars officiel quand j'avais 16 ans et demi. Je venais de passer mon bac. 16 ans, 17 ans, 18 ans. J'ai commencé à façonner mon image à partir de ce que ce garçon me disait. Ce qui fait que quelques années plus tard, quand on s'est séparés, et que il allait avec une autre femme, moi aussi je suis partie avec un autre homme. Cette séparation m'a fait mal. Et c'est comme s'il partait, il est parti avec mon identité. Donc j'ai encore commencé à chercher qui je suis. Chercher. Et c'est là, dans cette douleur, c'était à 24 ans, que j'arrive à l'église et on me dit que je suis une princesse. Ça a résonné avec moi. Mais je me disais. Princesse, comment? J'ai commencé à lire la Bible. Quand j'ai lu la Bible, la même année, je suis tombée sur le développement personnel qui m'a fait commencer à comprendre le pouvoir de ton esprit, que tu peux devenir. Tu peux devenir. C'est comme ça que je mélange le christianisme, la Bible que je lisais, je mangeais la Bible carrément. Pendant 3-4 ans, je mangeais la Bible. Je mangeais les livres de développement personnel. J'ai commencé à mettre les deux ensemble. Je me suis rendu compte que ça commençait à sortir une personne qui était cachée à l'intérieur de moi, que je ne connaissais même pas qui existait. Mais je sentais. Tu vois, peut-être quand tu regardes ça, tu vois une femme qui passe avec une grosse voiture. Tu vois une femme avocate comme ça. Tu as peut-être 7 ans, 9 ans. Tu vois une femme qui passe avec une grande voiture. Elle sort, elle est élégante. Tu la regardes, tu dis, waouh, quand je serai grande, il faut que je sois comme la femme là. Tu ne sais pas pourquoi tu es inspiré par la grandeur, mais. Autour de toi, ta mère, ton père, en fait, personne ne t'a jamais dit que tu peux être grande. C'est comme ça que j'ai commencé à creuser ma grandeur moi-même. TikTok. Vous avez des questions qui n'ont pas vraiment un rapport avec ce que je suis en train de dire. Bain de pipi, vraiment c'est mon anniversaire aujourd'hui, je ne vais pas parler des bains. Donc si vous avez pour les bains, allez regarder les vidéos. J'ai fait plein de vidéos qui expliquent les bains. C'est parce que vous êtes souvent paresseux. Vous ne voulez pas, vous arrivez sur ma page, vous ne voulez pas prendre la peine. TikTok, les vidéos ne dépassent pas 3 minutes. Donc en une heure, tu peux regarder au moins 10 vidéos. Au moins. Allez regarder les vidéos, pardon. Voilà. Donc, quand je commence à
voir cela à l'intérieur de moi, je comprends que ça va prendre du temps. Mais ce temps, je ne savais pas que le temps, en fait, c'est comme si tu es en train d'être changé. C'est comme si on te prend quelqu'un qui est sale et on le nettoie, on le lave, chaque jour on le lave. On lave une couche de saleté qui, demain vient, on le lave encore, une couche de saleté qui, demain vient, on le lave encore. Et ce lavage-là, c'est pour ça que même si vous commencez le lavage au sel, vous devez laver vous. C'est au bout de 6 mois, tu vas voir que tu as changé. Ce n'est pas au bout de 2 jours. Donc ce lavage mental, physique, a commencé à se passer progressivement. Et dans le chemin, tu vas rencontrer quoi? Premièrement, des Decepticons, des gens qui vont faire comme s'ils sont avec toi. Des gens qui vont venir et vont te faire genre, ouais, moi aussi je suis comme ça, et moi aussi. Et chaque fois que j'ai voulu m'identifier à quelqu'un, chaque fois que j'ai pris ma valeur ou ma mission dans la bouche de quelqu'un d'autre, ça m'a causé préjudice après. C'est pour ça que je vous dis toujours, lève-toi très tôt. Développe la capacité de communiquer avec tes anges. Parce que ce sont eux qui vont te montrer le chemin que tu dois suivre. Ce sont eux qui vont te confirmer des choses. Ce sont eux qui vont t'aider dans les décisions. Parce que souvent, tu te retrouves, tu as 3 options, 3 gars. Peut-être même aucun de ces gars-là n'est censé être ta part. Mais la question que tu poses, c'est qui est-il? Au lieu de dire, est-ce que c'est le moment et est-ce que cette personne est parmi ces personnes? Donc, et chaque fois que j'ai eu à me remettre en question totalement, ça m'a permis d'éliminer ce qui... Parce que parfois, tu te retrouves dans une relation, tu portes... Youms, merci pour les fleurs, c'est très gentil. Merci pour les fleurs. Et chaque fois que je me suis retrouvée en train de porter un fardeau d'une relation ou de m'alourdir avec quelqu'un sur moi, je me suis rendu compte que ça va premièrement gâter ton identité parce que tu vas commencer à... Il y a des gens qui vont te faire des problèmes sans sens à côté de toi. Tu dois t'élever, tu te lèves le matin, au lieu de te concentrer sur ce qu'on t'a dit dans la nuit, d'essayer de te rappeler de tes rêves, de vraiment de noter les instructions qu'on t'a données. Tu as les faux problèmes le matin. Hein? Pourquoi tu ne m'as pas préparé à manger le matin? Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Tu m'attends un peu. Mais comme on t'a mis une croyance en toi, que non, c'est ça, voilà ta vie, tu es censé être comme ça. C'est bien. Tu commences à vivre la vie que des gens veulent pour toi. Mais au fond de toi, il y a quelque chose qui t'amène à gauche. L'extérieur en train de t'amener à droite. Chaque fois que je suis partie comme l'extérieur a voulu, ça finit dans la frustration, le manque de confiance en moi, la pauvreté, parce que je perds toujours de l'argent comme ça. Et je me suis rendu compte qu'on nous a entraînés dans la société à faire confiance aux gens de l'extérieur. Mais pas de faire confiance en ta direction intérieure. J'ai fait la lecture de mission de vie d'une dame hier. Ceux qui ont pris les consultations actuellement, là, je consulte très peu, mais j'ai des collaborateurs qui travaillent avec moi. Donc, on a fait de notre mieux pour éponger. Donc, si vous avez demandé une consultation depuis, recontactez-nous. Parce que depuis au moins 7 jours, ils sont en train d'éponger énormément de personnes. Donc, je fais la lecture de destinée de la femme et je me rends compte que elle a cette disparity. Elle a ces deux chemins. C'est un peu comme s'il y a une force. Parce qu'elle vit au Togo. Et c'est un pays où à l'extérieur, tout est musulman. La femme n'a pas le pouvoir. La femme ne doit pas s'exposer. La femme ne doit pas croire en elle. Et à l'intérieur d'elle, c'est une femme qu'elle a un pouvoir extrême de manifestation. C'est-à-dire que si elle veut n'importe quoi, il suffit juste qu'elle se dise que je vais avoir ça. Ok, c'est 5 millions. Laissez, je vais avoir l'argent pour acheter ça. C'est tout. Donnez-lui 1 ou 2 mois, les 5 millions là vont venir. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de... Il y a cette force en vous qui veut se manifester et vous montrer des choses que vous saviez que vous pouvez faire. Mais
vous êtes déjà bloqué, vous êtes comme coincé dans un système. Un système qui vous fait peur, genre, hey, si je pars d'ici, je vais faire comment avec 4 enfants seuls? 5 enfants, comment je vais faire? Chaque soir que tu rentres, il rentre, vous deux, vous êtes frustrés. Vous vous regardez, vous savez que vous n'êtes pas heureux là. Vous savez qu'il n'y a que la frustration qui ressort de votre... Vous vivez dans la même maison. Frustration sur frustration. Frustration sur frustration. Tu sais que tu n'es pas heureuse là où tu es. Tu sais que tu n'es pas heureux. Bon, il faut quand même que je montre aussi à tout le monde que j'ai aussi, ou bien que j'ai... Voilà l'un des facteurs qui m'a beaucoup ralenti. Et à chaque fois que j'ai voulu faire plaisir aux gens, c'est comme ça que j'ai perdu ma puissance. Parce que la puissance spirituelle, d'après mon expérience et ce qu'ils m'ont enseigné, tu vas rester, ils vont te dire, quitte l'homme là. Quitte l'homme là. Ah, c'est lui qui paie le loyer. C'est lui qui fait telle chose. Tu restes. Il te frustre. C'est mauvais esprit, même dans la nuit où ça vient te déranger. Tu es toujours là. Tu maigris. Tu es frustré. Tu es stressé. Tu es toujours là. Tu supportes. Tu supportes. Et vous ne savez pas qu'il y a même des gens qui vous ont quitté pour vous faire du bien. La personne là t'a quitté, ça t'a donc. Tu penses que ta mission de vie, c'est de te marier. Donc c'est pour ça que tu es venu sur la terre. Donc toutes les femmes qui ne sont pas mariées là, elles ne sont pas des êtres humains. Toutes les femmes qui n'ont pas accouché là, elles ne sont pas des êtres humains. Hmm? Bonjour TikTok. Merci pour les fleurs, merci. Gaga, merci pour les fleurs. Et sans le savoir, il y a des personnes qui tirent leur valeur de cette bague. Je suis mariée, donc je suis. Je suis mariée. Tu prends ton nom. Tu te réveilles à 3 heures. Ton esprit d'angoisse te dit que tu sais que tu n'es pas heureuse ici. Quitte de là. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que? Je vais faire comment? Tu ne peux pas avoir le beurre et tu as l'argent du beurre. Vous voulez en fait être confortable, plaire à tout le monde entier et accomplir votre mission de vie. Voilà ce que vous voulez. Tu veux être confortable, tu manges l'argent du gars. Après, il te laisse faire tout ce que tu veux. Non, ma chérie, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Par contre, il y en a très vite. C'est un peu comme si tu as une sensibilité à tes anges. Je peux pas vous mentir. J'ai au moins eu 3 fois de ma vie. Bonjour, môme triplette. J'ai eu 3 fois de ma vie où j'étais dans une relation que Dieu m'avait dit clairement, audiblement, ne te mets pas avec la personne. Dès que je me mets en relation avec la personne, mes finances sèchent. Tout se bloque. Donc je sais que comme je commence aujourd'hui, dans 4 jours maximum. Voilà, il faut bien quitter le public avant que le public ne te quitte. 4 jours maximum. Je reste un matin comme ça, là, mon agence est vidée partout. Le Saint-Esprit, tu dis que tu veux prier, Dieu te dit que tu sais bien ton problème. Va arrêter la chose là. Ah, Dieu toi aussi. Tout sauf la d'autre là, non. Tu arrêtes à 14h. 17h, tes comptes sont débloqués. Merci, capitaine. Donc 2-3 heures plus tard, tu vois comment tes choses commencent encore à s'ouvrir. Il y a une dimension où... Et ça, je suis en train de parler au roi et au reine. Je vous ai dit que depuis peut-être 2 mois, je suis appelé à tout le monde.
C'est pour ça que quand vous venez vers moi, vous venez me tenter, même si vous payez 500 euros pour la consultation. Si vous avez les énergies des Decepticons, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y en a parmi vous, votre cœur est noir. Vous venez ici, là, vous faites le semblant. Je suis appelée à ces rois et ces reines-là qui ont déjà commencé leur travail spirituel. Vous avez déjà commencé à vous ouvrir. Tu as vu le bain de sel comme ça, là, tu es parti, tu as fait seul dans ta chambre. Tu fais ton bain, tu mets ta bougie, tu pries, tu parles. J'ai vu l'autre jour une femme dans un salon de coiffure. Elle me dit que le sel marche avec la foi. Elle dit que mamie, que le sel marche avec la foi. Que seulement la foi. Que si seulement les gens savaient. Que hier, je disais à ma soeur de se laver avec le sel. Qu'en quelques semaines, le sel a ouvert mes portes jusqu'à. Ça m'a ri. Je lui dis que ma chérie, ça veut dire que tu étais prête. Elle dit que c'est la veuve le sel. Sa belle famille, que quand son mari est mort, toute sa belle famille l'avait insulté. Elle dit qu'ils sont restés, l'ont appelé, s'excuser au téléphone jusqu'à ce qu'elle n'en croyait pas ses oreilles. Elle dit que maman, le sel. Oh. Beaucoup d'entre vous, les rois et les reines, parce que je suis appelée au roi. Voilà, un gars, tu dis que tu as la petite soeur de ton père, c'est elle qui t'a élevée. Tu es femme aujourd'hui grâce à elle. Voilà, paix à son âme. Vraiment qu'elle repose en paix. Quand tu as. Parce que j'ai d'abord parlé de mon histoire pour que vous puissiez comprendre. Parce que beaucoup d'entre vous. Certains, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, au Canada, Australie, vous suivez de beaucoup de pays. Et depuis que tu es arrivé dans le pays là, peut-être dans le boulot où tu es, Dieu te dit, Dieu te montre que ce n'est pas. Il te montre qu'il y a quelque chose de plus en toi. Il te montre qu'il y a quelque chose, que tu es en train de faire ce que tu es censé faire. Et la première chose qui attache les rois et les reines, je vous dis que le sel, ou le lavage au sel là, non. Ce sont les énergies. Certains, vous êtes customer service. Donc, tu travailles en relation avec les clients. C'est-à-dire, tu es dans un endroit où tu parles beaucoup avec les gens. Les gens entrent, ils sortent, ils entrent, ils sortent. Et ça fait plein d'énergie. Ce qui fait que quand tu rentres le soir, tu as au moins l'énergie de 50 personnes sur toi. Ça te bloque. Tu ne sais pas. Maintenant, dans tes prières, même avant de tomber sur moi, dans tes prières, tu demandais toujours, Seigneur, je ne sais pas, je jeûne, je prie, je vais à l'église, je fais tout ce qu'on me demande de faire. Pourquoi ça n'avance pas? Je tombe sur mes vidéos, comme ça là. Je vous ai dit que les gens que j'ai aidés, ce n'est même pas les gens qui sont venus pour la consultation. Non, la personne a vraiment vu mes vidéos, l'a fait. C'est tout, hein. Il ne m'a jamais dit que tes vidéos m'ont aidé. Mais je sais qu'il y a les gens là-dedans que c'était ce qui manquait à votre vie, on m'a dit comme ça. Pour que tu t'ouvres. Donc quand ça fait même pas 2 ans que j'ai commencé avec le sel. Parce que quand je suis allée à l'église, le développement personnel, à un moment, je suis partie de l'église. J'ai commencé à chercher. Je suis allée vers le. C'est là que j'ai appris à parler avec les morts. Je suis allée aussi. Je faisais déjà, hein, parce qu'à l'église, on m'appelait prophète. Donc, je prophétisais déjà à l'église. Parce que quand tu prophétises, ça veut dire que tu tapes dans l'esprit de Dieu pour voir le futur ou le passé. Soit ce qui s'est passé, soit ce qui va se passer. C'est ça, un prophète. Donc, j'avais déjà ça. Et quand je suis sortie, j'ai commencé à explorer. Quelqu'un a mis sur TikTok tout à l'heure que bonjour et merci pour les fleurs zone interdite. Merci beaucoup. Quelqu'un a mis cela que c'est quand tu es rentré en Afrique, justement, vous devez trouver votre terre. Parce que j'étais en Europe, mais mon cœur allait trop sur les Africains. Je ne vais pas vous mentir. Quand je voyais les gens, ils tombaient dans l'eau en Libye, en traversant, ça me faisait tellement mal au cœur. Parce que je me disais que voilà des hommes et des femmes talentueux.
Si tu t'en sors déjà au Camerounais, tu as même ton petit business. Ça veut dire que tu peux t'en sortir. Et regardez, ça me faisait mal. Je faisais les directs, les gens venaient parler. J'invitais les gens de l'Europe qui ont Boza, qui ont traversé avec Lola, à venir, ils partageaient leur histoire ici. Le but, en fait, c'était que les gens comprennent la réalité de l'Europe. Donc, j'ai fait ça en 2018. J'ai fait ça pendant presque toute l'année. Là, je faisais des directs sur ma page personnelle et j'en parlais. À un moment, l'esprit me dit, va en Afrique. En 3 semaines, j'ai porté toutes mes choses. Je suis quittée de l'Europe. J'avais fait 13 ans en Europe. Je suis venue en Afrique. Et je pense que de façon ultime, quand je suis venue en Afrique, ça m'a permis de me reconnecter avec mes ancêtres. Parce que quand je suis partie en Europe, j'ai fait peut-être 5 ans. Tous mes ancêtres, en 2 ans, ils sont morts. Tous mes grands et grands-mères, en l'espace de 5 ans, ils sont tous morts. Tous. Ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, des deux côtés, ils sont tous morts en l'espace de 5 ans. Donc, quand je suis revenue en Afrique, c'est comme si je me suis reconnectée avec ma racine. C'est pour ça que dans vos prières, vous devez toujours demander où est ma terre? Où est l'endroit où je vais prospérer? Parce que quand tu trouves ton lieu, je vous ai parlé des libations. Tu développes l'habitude. Tous les mois, toutes les semaines, ça dépend de toi. Et ça dépend de ce que tu demandes. Mais ne viens pas demander seulement quelque chose. Là. Je ne sais pas comment l'église. Et même à l'église, ils ne vous rendent pas service. Ils ne vous enseignent pas comment demander. Je regardais un film l'autre jour. C'est un film de sorciers. Il n'y a pas que les mauvais sorciers. Là, il montrait comment... là, le jeune homme... Si vous regardez sur Netflix, ça s'appelle Maléfice. Maléfice. M-A-L, Maléfice. OK? En anglais, c'est The Bastard Son and the Devil Himself. Something like that. Donc, ils quittent de l'Angleterre, ils arrivent à Paris. Quand ils accostent, le sorcier là prend une chaîne, il lance à un des gars qui était là. Le petit là lui demande, mais pourquoi tu lui donnes une chaîne? C'est trop cher. Il lui dit que quand tu arrives dans un nouveau territoire, tu dois faire un cadeau aux entités. Il dit ça, c'est pour ne pas avoir de la malchance là-bas ou pour ne pas être tué sur cette terre. Écoutez, les blancs, toute la spiritualité que les blancs font, ils mettent dans les films. Et je pense que c'est le noir qui avait intentionnellement, donc volontairement, il veut se bloquer, voiler les yeux. Gara ensuite dit, tu t'interrogeais sur ta vie, tu cherchais un déclic et ton premier lavage au sel, ce fut une explosion. Waouh, super. La dîme pour le Gabon, tu envoies ça au 07 47 39 179. Donc, les dîmes pour demain, il y a les numéros sur la page. 07 47 39 179. Et le nom, c'est Jean d'Éric. Donc, je bénis ta dîme. Il faudrait que je bénisse les dîmes. J'ai même oublié de vous dire ça. Je dois bénir vos dîmes aussi. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont payé les dîmes et qui ont eu beaucoup de témoignages. L'Africain, en fait, quand on part en Europe, je me rappelle quand je suis arrivé en Europe, pour moi, c'est comme si j'avais oublié toutes les traditions. C'est comme si je me disais, ah, enfin, je peux me débarrasser de tous les trucs des Africains là. Ça, c'est les pensées que j'avais quand j'étais jeune. Ce qui fait qu'on est en Europe, mais on n'enseigne pas ça à nos enfants. Même le lancer de poule, par exemple. Dans le groupe, on a un groupe pour la Côte d'Ivoire. Il y a une dame qui a posté là-bas. Je suis en Côte d'Ivoire à partir de jeudi, je pense. Jeudi, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, je vais faire quelques jours à Abidjan. Pour l'instant, je suis à Libreville. Donc, la dame, elle a regardé la vidéo où je parlais du cadenas, le rituel où on ferme le cadenas pour se débloquer. Et là, elle dit qu'elle se rappelle, elle et son mari blanc, ils sont allés quelque part à Paris. Vous voyez les lieux qu'ils ont souvent là. Et elle dit qu'il y avait un mur, une grille, où les gens accrochaient les cadenas, ils faisaient leurs vœux, ils scellaient le cadenas. Il y avait des endroits, ils arrivent au bord de la fontaine, ils prennent la pièce, ils font un vœu, ils lancent la pièce dans l'eau.
Ça veut dire qu'ils font une offrande à l'eau. Mais cette offrande, c'est une pièce. Et ils mettent un vœu dessus. Tout ce que je vous enseigne ici, ce sont des choses que vous voyez, mais pour vous, c'est un peu comme si c'était... Vraiment, c'est le jeu. Voilà, il y a quelqu'un ici qui dit TikTok à côté de la tour Eiffel. Ok. Le numéro de Libreville, c'est le 0741 80 080. Pour Libreville, ce sera demain. Vous pouvez venir demain. Il n'y a que demain que je vais consulter parce qu'après demain, je voyage. Donc, Libreville, le numéro, c'est 0741 80 080. Le pont des amoureux à Paris. Voilà. Je consulte aussi à distance. Quand je suis revenue en Afrique, je me suis rendu compte que les choses que j'avais rejetées, parce que ma vie était... Moi, j'étais bloquée plus. Comment on dit que blocage? Super bloqué. Jacques, je sais pas si je parlais avec une dame hier, elle me dit, je suis avec un homme. Il me dit, ma chérie, souvent je veux te donner l'argent, mais je ne sais pas pourquoi. Après, je n'ai plus envie. Oui. Il lui dit, ma chérie, tu es bloquée. Ma chérie, je ne sais pas pourquoi. Parfois, je veux te donner l'argent, mais les problèmes, ça finit avant que je ne te donne. Malheureusement, vos parents ne vous ont rien appris. La poule, est-ce que vous savez que la poule, ce n'est pas seulement pour le KFC? Est-ce que vous saviez ça? Hein? Est-ce que vous savez que la poule, ce n'est pas seulement pour le KFC? Les œufs, ce n'est pas seulement pour faire bouillir, on mange. Hein, mes gens, pardon, dites-moi aussi. On fait quoi avec la poule? Il y en a parmi vous que on n'a jamais lancé une poule pour ton enfant quelque part. Même toi qui m'écoutes là. Tu n'as jamais pris l'eau. Prendre même une bouteille d'eau comme ça là. Tu parles. Je parle. Chaque terre a ses ancêtres. Tu es là-bas à Washington depuis 10 ans, 15 ans. Tu fais les tests de nationalité. Tu échoues chaque année. Tu as demandé l'asile depuis 5 ans. On t'a refusé, mais tu es que là. Tu ne connais même pas quelle est ta situation. Tu veux traverser depuis, tu es là. La poule, ce n'est pas seulement pour le KFC, je vous dis. Même les œufs. Tu peux prendre l'œuf. Tu passes ça sur ton corps. Tu parles que toutes les mauvaises énergies qu'il y a dans mon corps, c'est n'importe quelle malchance que j'ai portée. Peut-être, je sais que pour vous, vous ne croyez pas. Je ne sais pas. Je ne sais même pas ce qu'on vous a fait. On a mis quoi dans votre cerveau? Hein? Bon, le problème, c'est qu'il y a ici là, Claude qui dit que les parents, quand on demande, ils ne disent pas. Ce ne sera pas la faute de ton père si tu n'es pas éduqué. Ton père n'a pas fait, il a échoué, non? Regarde ton père, tu regardes sa vie, ça donnait quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est ce que tu connais qui te sauve. C'est ce que tu connais qui te sauve. Les coris, c'est là, les coris. Moi, avant, je croyais que c'était pour les féticheurs. Les coris. Tu vois, souvent, je vends après, je dis encore que... Ah, je vais tellement vous vendre ça que vous allez croire que je sais pas. Ce n'est pas seulement pour le business. Ce n'est pas seulement pour le business. Voilà les pierres, les bracelets. Ça là, la pierre noircie, ça protège. Voilà l'œil, le mauvais œil.
Ce sont les produits que j'ai fini par vendre aux gens. La fleur, voilà l'œil là. Je suis entrée dans un au glacier moderne. J'étais à Douala au glacier de moderne. J'entre comme ça, j'observe. J'ai vu il y a une sorte de tableau avec plein d'œils ici là, dessus. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans. Il y a les Libanais, il y a les Turcs. Entrez dans leur magasin, observez bien. Comment vous croyez que les gens là arrivent dans n'importe quel pays africain, avec tous les doudous que vous avez ici là? Ils font les choses, ça dépasse pour vous. À Abidjan, alors c'est grave. Oh, tous les business, c'est les Libanais qui ont pris. Mesdames, messieurs, mes gens, ils connaissent quelque chose que vous ne voulez pas connaître. Il est temps d'arrêter de dire que ma mère ne m'a rien montré. Ta mère n'avait pas TikTok. Tu as TikTok. Tu n'es pas tombé ici par hasard. Tu n'es pas tombé ici par hasard. Il y a les colliers que tu dois mettre sur toi. Parce qu'il y a des magasins où quand tu entres comme ça, là, tu ne sais pas pour ce qui t'arrive. Tu peux seulement prendre les choses, tu mets dans le sac, tu mets dans la corbeille. Tu peux acheter. Tu te retrouves que tu as dépensé 50 000 là-bas dedans. Il y a des gens qui placent des envoûtements sur leur magasin, sur leur business. Dès que tu traverses la porte comme ça, là, bien ça te prend. Parce que tu n'étais pas protégé. Oh Seigneur, je prie juste que vous vous ouvrez, que vous ouvrez votre... arrêtez de vous intéresser aux choses qui ne vont pas vous aider. Souvent, tu es dans les novellas pendant 6 heures de temps. On va faire une vidéo de 3 minutes. On va te montrer que... Prends l'œuf. D'ailleurs, en passant, je vais donner les astuces. Je donne quelques astuces. Vous allez... Si vous pouvez vous rappeler de ça, c'est bien. L'œuf. Si tu es en France, tu n'as pas l'œuf de la poule du village, pas de souci. Ne te dérange pas. Prends l'œuf. L'œuf, c'est l'œuf. Même si c'est modifié, c'est l'œuf. L'œuf a plusieurs usages. J'ai des astuces que j'ai montrées. Tu prends le feutre, pas noir, mais le feutre rouge de préférence. Bleu, si tu n'as pas le rouge. Tu écris tes blocages sur l'œuf. Il y en a parmi vous, vous n'avez pas accouché depuis longtemps. Oh, je veux l'enfant. Oh, je veux l'enfant. Oh, je veux l'enfant. Est-ce que je suis allé? Non, je passe seulement à l'hôpital. Je pas à l'hôpital. L'hôpital. Hmm? Merci pour vos vœux de joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci. La femme qui faisait l'œuf, elle faisait l'œuf où? Son mari et ses enfants sont morts. Eh oui. Un œuf qui n'a pas de craque, un œuf qui est entier. Si tu as même une petite cassure sur ça, tu laisses. Parce que dans le monde spirituel, il y a la noix de coco, par exemple. Tu peux parler, tu casses. Quand tu casses la noix de coco, tout ce qui est fermé spirituellement. Vous voyez le piment de Guinée, non? Le piment de Guinée, le jujube, l'œuf, la noix de coco. Toutes ces choses qui sont scellées naturellement. Donc naturellement, quand ça sort de son environnement, c'est scellé. Voilà, dans tous les magasins en Turquie, il y a l'œil bleu à l'entrée. Voilà. Quand je vais vous dire comme ça, vous allez maintenant remarquer. Quand vous allez maintenant passer, vous allez regarder, vous allez dire, ah, voilà ce dont elle parlait. Quand je vous parle de l'œil, là, c'est comme ça. C'est généralement bleu et noir, c'est ça. Bleu et noir, comme ça. Bleu et noir. Donc, tu prends l'œuf, un œuf cru. Tu écris tes blocages sur l'œuf. Voilà une des options. Soit tu écris tes blocages au-dessus. Voilà, je ne suis pas employé depuis. Unemployment ou bien chômage, célibat, malédiction familiale, mari de nuit. C'est plein sur vous. Tu écris. Et quand tu fais ton travail spirituel, s'il faut que tu fasses ça 50 fois, ma chérie, fais 50 fois. Parce que vous êtes trop paresseux. Tu pars à l'hôpital, on te donne un petit remède. Un petit remède que c'est 80% amidon. 10% le remède. Tu vas boire ça fidèlement. On te dit maintenant, fais ton truc, fais tes lavages, mais tu te laves avec, tu parles sur ça. Ah, j'ai vu ça au marché central à Douala, chez les Yami. Mon sac accroché à mon épaule, mon bras s'alourdit et me tire vers ce magasin. J'achète les choses pour 40 000 sans vouloir. Tu vas confirmer. En France, chez les Chinois, dans tous les magasins, ils ont deux types de fleurs à l'entrée.
Vous ne pouvez même pas développer l'Afrique. Attends, qu'est-ce que l'autre personne a dit? Vous prenez même vos imaginations là. Oh, développez-nous l'Afrique, le reste, on s'en fout. Oh là là, si tu développais l'Afrique, tu ne serais pas dans mon direct, sérieusement. Parce que si ce que je fais n'aide personne, tu ne devrais pas être là, ok? D'accord. Je continue avec le feu. C'est qu'il y a des gens que ça intéresse. Donc, tu finis d'écrire ce qui te bloque. Tu vas le casser. Normalement, quand tu charges cet œuf, si tu le charges négativement, il ne doit pas, tu ne dois pas faire que la goutte de cet œuf-là te touche ou ça touche quelqu'un d'autre. Bonjour, bonjour, le roi Tenyo. Donc, tu parles sur l'œuf. Donc, tout ce qu'il y a de négatif qui est sur moi, je transfère ça dans cet œuf. Et comme je vais casser l'œuf, ça peut être une noix de coco, ça peut être. Je vous ai parlé du piment de Guinée. Mais pour le piment de Guinée, c'est les vœux positifs. Pour le jube, c'est les vœux positifs. Donc, je charge cet œuf de négatif, tout ce qu'il y a de négatif qu'il y a sur moi. Et ce qui vous concerne, c'est généralement invisible. Je sais que vous ne croyez pas. Tu le charges. Et tu dis que comme je casse l'œuf-ci, je déclare que toutes ces malédictions sont brisées de ma vie, de mon corps. Normalement, tu peux te mettre dans la cour ou tu te mets dans ta douche. Parce que je sais qu'en Europe, vous n'avez peut-être pas l'opportunité d'avoir des cours. Tu te mets dans la douche, tu lances dans le pot à distance. Comme je vais casser l'œuf-ci, s'il y avait n'importe quel mauvais sort, n'importe quel mauvais esprit qui me bloquait, qui empêche que je ne conçoive, qui empêche que je ne me marie, qui empêche que je ne sais pas, quand l'homme reste avec moi, qui empêche tout ce que tu veux. Comme je casse ça comme ça, je déclare que c'est brisé de ma vie. Au nom de Jésus. Tu lances maintenant cet œuf. Tu dois t'assurer qu'il craque. Le but, c'est que ça craque. Pas que ça éclabousse toute ta douche. Le but, c'est que ça craque. Dès que ça fait craque, le sort, tu l'as cassé. Compris? L'autre option, tu peux prendre l'œuf. Tu le balades sur tout ton corps. Que toute mauvaise énergie qu'il y a sur moi. Peu importe. Et généralement, ça peut être les jours où tu as travaillé, tu as rencontré beaucoup de personnes dans la journée, tu es hyper fatigué. Apprenez à vous soigner avec ce qu'il y a dans votre environnement. Parce que, il y a même des nuits, tu fais des mauvais rêves. Il y a des choses avec lesquelles vous devez dormir dans, vous devez avoir ça dans votre maison. Quand vous louez la maison, tu loues la maison, tu en as la maison, tu ne laves pas le sol, laves le sel, tu ne fais rien. Tu es entièrement comme ça là. Tu sais que qui a vu, qui a vécu dans la maison là avant. Tu sais qu'il y a quel esprit là-bas. Bon, des choses comme ça. Donc, l'autre option maintenant, comme j'explique, tu fais balader sur toi, sur tout ton corps. S'il y a n'importe quelle mauvaise énergie qui est attachée à moi, comme je suis en train de frotter ça sur moi, il déclare que vous êtes transféré dans cet œuf. Quand tu finis, tu parles. Je me débarrasse de ces mauvaises énergies. Quand tu peux prendre un verre, tu mets de l'eau, lui. Je suis en train de faire le direct. Tu peux. Apparemment, tu as ma puce. Je veux que tu me donnes ça. La puce que l'autre avait donnée là, monsieur, l'autre là. Tu t'allais donner ça à Beauclerc, je pense. Oui. Tu l'as, il t'a remis, non? Non, non. Je l'ai vu ce matin, il m'a dit que c'est toi qui as ça. Non. D'accord. Bon. Il faut que tu ailles le voir. Il faut que tu ailles le voir. Puisque c'est, je crois que c'est toi qui avais la puce. Oui, c'est ça, il est comme je me vais acheter. Tu vois, tu Non, tu dois d'abord attendre. Attends, d'abord, je finis le direct, s'il te plaît. Donc, tu finis, tu prends un verre d'eau. Tu casses l'œuf. Sur l'eau, tu ouvres, tu mets dans l'eau. Si tu regardes normalement, parce que je sais que vous n'avez jamais fait ça, donc vous avez plein de mauvaises énergies sur vous. Normalement, si l'œuf est clair, ça veut dire qu'il n'y avait rien de mauvais sur toi. Mais dans 99,9% des cas, ce sera, tu vas voir comme une sorte de, ce sera flou, il y aura une sorte de nuage blanc dedans. Ce ne sera pas clair. Tu connais quand le jaune ne fait clair, en tout cas. Je sais pas comment on peut ce que c'est. Ce ne sera pas clair, ok? Tu mets dans un verre d'eau. Donc, tu casses, tu ouvres, ça tombe. Quand ça tombe, tu regardes à travers. Normalement, tu vas voir une je sais pas. Je vais appeler ça un nuage. Hein? Un nuage, ou bien ce sera flou, en tout cas, trouble. Voilà. Donc, le but, si tu peux trouver du piment. Du piment. Tu as le piment, non? Tu peux avoir du piment, tu écrases même ton piment toi-même, ou bien si tu as du piment en poudre, tu verses ça là-dedans.
Je crois qu'il y a aussi du poivre que tu dois verser dedans. Et en versant normalement avec du sel, tu dois parler et dire que tu annules tous ces mauvais esprits-là, comme ils sont contenus là-dedans. Tu annules et tu renvoies. Tu peux dire que tu renvoies à l'expéditeur. Tu fais ça, tu finis, tu verses, que ça ne te touche pas. Tu verses dans tes toilettes, tu tires l'eau. Parce que pour les gens qui sont dans les endroits des blancs là, tu verses dans les toilettes, tu tires l'eau. Si tu fais ça en étant dans ta maison où il y a les toilettes externes, ne pas remettre dans tes toilettes. Parce que c'est comme si tu prenais encore potentiellement les mauvais esprits là, tu verses encore là-dedans. Donc tu peux aller verser ça très loin dans un champ, tu verses sur la terre. La terre absorbe très bien les mauvais esprits, les mauvaises énergies. Donc c'est pour ça que je dis, je conseille souvent quand tu te laves, si tu te laves dans un endroit où tu as les toilettes extérieures, le reste d'eau, ne fais pas que cette eau parte dans tes toilettes ou dans ta fosse. Parce que c'est quand tu te laves, normalement, tu enlèves les mauvaises énergies sur toi. Il ne faut pas que ça coule, ça reste chez toi. Il faut que ça parte. La terre absorbe les mauvaises énergies. La terre est faite pour ça. C'est comme ça absorbe, ça convertit et ça te redonne ce qui est, ça donne la vie. Donc, je vais vous donner l'autre astuce. Quand vous aménagez la nouvelle maison, vous devez prendre, si vous avez des questions par rapport au truc, poivre noir, s'il vous plaît. Les Indiens ne cachent pas, c'est vous qui cachez, non. C'est vous qui cachez pour vous et vous avez honte. Je pense que les Noirs ont honte de leur spiritualité. Si ça t'éclabousse, ne fais pas que ça t'éclabousse. Je ne sais pas pourquoi vous êtes têtu. On te dit un truc, on te dit que ne fais pas que ça t'éclabousse. Et quand tu parles, tu fais que ça t'éclabousse. Ça veut dire que ce que tu as enlevé sur toi, tu as encore remis sur toi. Tu l'as encore fait. Si tu jettes dans la poubelle, assure-toi que ça parte le même jour. Les bracelets, il y en a ça. Celui-ci, je le vends à 10 000. Celui-ci. Celui avec les coris. Les coris, vous devez en avoir chez vous. Tu peux même mettre, tu as les décorations qu'on met à la maison là, non? Tu mets quelques coris sur la table. Tu cherches des endroits où tu les mets. Tu peux peut-être accrocher. Dans ta chambre aussi, si tu peux en avoir, c'est super. Pour le carrefour, je ne connais pas l'autre là, donc je ne saurais te dire, Stécie, pour te dire d'aller casser le faux carrefour. Généralement, quand je monte des trucs à faire, j'évite toujours que ce soit fait hors de la maison, parce que c'est un domaine que tu ne maîtrises pas. C'est-à-dire, si tu pars dans un carrefour pour faire, l'autre là, je ne saurais te dire pour l'instant, ok? Non, le bain de sel, c'est mieux. Le bain de sel, c'est un truc que tu dois faire. Tu ne dois même pas penser, tu dois faire. Voilà. Donc, j'étais en train de parler quand tu aménages, quand tu viens d'aménager. Supposons même que tu n'as jamais travaillé sur ta maison. Absolument jamais. Et le risque que tu cours, c'est parfois les cauchemars. Et vous avez souvent les cauchemars parce que vous ne faites pas vos bains avant de dormir. Dans la journée, vous rencontrez beaucoup d'entités. Parfois, vous avez la télé à la maison qui joue. Ça donne beaucoup d'énergie négative dans la maison. Et vous ne... Il y a la sauge. Brûler la sauge ou les lauriers ou les clous de girofle. Vous mettez avec le charbon ardent. Si ça va dans la fosse, Sandra, tu n'as pas le choix, tu laisses seulement ça part. Donc, supposons que tu n'as jamais purifié ta maison. Cherche le laurier aujourd'hui. Aujourd'hui, tu brûles. Si tu vis chez quelqu'un, ne fais pas ça. Laisse sa maison comme cela. Laisse la maison de la personne comme c'est. Ne pas dire que tu vas faire quelque chose. Ce n'est pas ta maison. Je vous en prie. J'ai dit, si tu viens en France, va casser dans les toilettes. Il y a le pot, non. Tu ne vas pas me dire qu'en France, vous faites caca dans le trou quand même. C'est le pot, non. Donc, tu lances dans le pot, ça se casse et puis tu tires l'eau. Donc, quand tu es dans cette maison, dans le cas où tu es chez toi, ne parlez pas faire chez les gens. Ça va réveiller le mauvais esprit, ils vont vous détester, ils vont te chasser de leur maison. Donc, tu dois brûler, cherche le laurier, la feuille de laurier entière. Donc, la feuille de laurier entière peut être utilisée de deux façons. C'est vrai qu'il y a plusieurs autres façons, mais je vais me limiter à deux. Tu écris, tu cherches une feuille entière qui n'a rien, qui n'est pas déchirée. Tu écris dessus la somme d'argent que tu veux ou toute autre chose que tu désires. Tu écris, tu brûles, vous devez avoir du charbon ardent à la maison. Tu brûles. En brûlant, dès que tu déposes, il y a les portails spirituels. L'eau, quand tu verses de l'eau
sur quelque chose. Tu es en train d'ouvrir un portail spirituel. C'est une opportunité pour communiquer, pour dire ce que tu veux et recevoir ce que tu veux. Je vois un peu ça comme une sortie et une entrée. Donc, et quand tu allumes un feu, quand tu allumes une bougie, tu vas ouvrir un portail. Tu prends l'eau, tu verses sur le sol, tu prends l'eau, tu verses sur toi. Donc, l'eau, c'est les ouvertures, le feu. Ou quand tu brûles quelque chose. C'est ça, dans la Bible, quand ils faisaient des offrandes, après, il dit qu'ils brûlaient la graisse. Ils brûlent la graisse de des animaux qui sont sacrifiés. En brûlant cette fumée qui monte, c'est une offrande à l'Éternel. Ça ouvre un portail. Et ça, c'est moi-là qui peux maintenant dire, Éternel des armées, voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on veut. Nanou, tu dis que mettre du sel dans un ramequin avec une rondelle de citron à l'entrée de la maison, ça apporte quoi? Tu dois aller voir là où tu as vu cette recette. C'est là-bas que tu vas demander. Tu as compris, ma chérie? Tu peux aller voir une recette quelque part, tu vas me demander à quoi ça sert. C'est pas moi qui ai donné la recette. Et le truc dans le spirituel, c'est que ne partez pas chercher à faire 500 astuces. Mets à 3 astuces que tu fais bien avec ta foi. Au lieu de chercher à tout faire ou de tout connaître, parce qu'il y en a parmi vous, quand vous collectionnez seulement ça sur TikTok, tu dis, ah, il y avait ça, hein, il y avait ça, hein. Ah, je connais ça. Tu n'as rien fait de tout ça. Tu te trompes toi-même. You lie yourself. Ok. Merci pour le cœur, ma chérie. Il y a quelqu'un, le charbon ardent, c'est un charbon que tu allumes et tu allumes ça, ça prend le feu en l'espace de 30 secondes, alors que le charbon normal prend du temps. Donc, le charbon ardent, ça prend peu de temps pour ça. Donc, j'en ai, c'est là-dedans. J'ai pas ça ici. C'est rond comme ça. Tu mets ça sur le feu, sur le gaz, pour 10 secondes ou 20 secondes. Ça prend. Et ça brûle seul. Donc, quand tu as ta feuille de laurier sur laquelle tu écris ce que tu désires, tu déposes. Quand c'est en train de brûler maintenant, tu parles, tu dis ce que tu veux. Pour ceux qui sont spirituels, si tu as vraiment mis tes intentions sur la feuille de laurier, quand tu vas brûler, tu vas sentir comment il y a un truc qui quitte ton corps. Soit tu vas sentir comment tu reçois quelque chose. Donc, ça, c'est la première option de ce que tu peux faire avec le laurier. Deuxième option, tu n'écris rien dessus. Tu mets dans la maison, au centre. Tu brûles laurier avec quelques coups de girofle. Il faut valoriser les chiffres 3, 7. Donc, si tu choisis de faire 3 lauriers, tu fais 3 lauriers, 3 coups de girofle. Ou bien 7 lauriers, 7 coups de girofle. Et surtout, quand tu les brûles, c'est l'intention que tu attaches à ça. Donc, comme je brûle ceci, tout mauvais esprit qu'il y a dans ma maison, toute mauvaise énergie, ou la sauge, ceux qui sont en France, avec la sauge blanche, tu allumes. C'est Dieu qui a donné les épices, hein. Appelez ça comme vous voulez, appelez ça magie, tout ce que vous voulez. Mais le laurier qui pousse de la terre, là, c'est Dieu qui a donné. Ce n'est pas Satan qui fait pousser le laurier. Parce que c'est ce que les gens, quand ils bloquent un peu dans leur tête, ils se disent que c'est là. Non, tu prends le laurier, tu mets dans la sauce, tu prépares, tu manges. C'est juste que c'est une utilisation du laurier que on ne t'avait pas dit. Ou on t'a dit avant, tu n'as pas cru. On met dans la nourriture. Quand j'ai commencé à apprendre l'autre partie de la spiritualité, je me suis rendu compte que c'était un peu comme de l'arnaque. C'est un peu comme si on nous a voilé la vraie utilisation de toutes ces épices. Thym, laurier, romarin, oignon même, l'oignon rouge. Dans la spiritualité, on utilise ça. Tu peux, souvent, quand tu achètes les oignons rouges au marché, la peau là, quand tu vois les dalles, tu peux souvent demander la peau en extra. Tu prends la peau. C'est quelque chose que tu peux mettre avec du sel. Tu attaches ça dans les endroits de la maison. La peau de l'oignon rouge avec le sel. Généralement, le sel de mer, parce que c'est gros, gros. Donc, tu peux aussi prendre les peaux d'oignon rouge, tu brûles ça dans la maison. Parfois aussi avec des peaux d'ail. Je sais que ce sont des choses qu'on ne vous a pas. Ah, c'est seulement pour préparer. C'est pas seulement pour préparer. Ça met pas seulement le goût dans la nourriture. Voilà, quelqu'un qui demande que le laurier, c'est quoi? Alors, tu vois, quand tu achètes le thym au marché, non? Il y a une feuille qu'on met toujours sur le thym comme ça là. Le thym vient toujours avec une feuille comme ça sur ça. Une large feuille. Ils te vendent ça à 25. C'est ça qu'on appelle le laurier. Donc, voilà les choses que tu peux brûler dans la maison.
Et quand tu brûles, ouvre les fenêtres. Ce qui fait que s'ils veulent sortir, ils vont sortir rapidement. Tu mets aussi tu prends du sel, achète du sel de mer de préférence, ou bien du sel spirituel, c'est-à-dire du sel sur lequel on a déjà prié, qu'on a déjà béni. Tu achètes ça. Il y a aussi le jujube. Le jujube, c'est un outil de paix. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, souvent, moi, ma grand-mère, par exemple, ma grand-mère disait toujours, mon arbre de paix avec mon jujube. Mon arbre de paix avec mon jujube. Voilà mes outils. Donc, si vous pouvez, l'arbre de paix subsiste beaucoup. Donc, même quand tu vas au pays, tu peux demander des racines du tronc d'arbre de paix là. Parce que l'arbre de paix peut faire même 7 jours sans se gâter, même 10 jours. Hein. Tu laisses en sac, ça ne se gâte pas. Donc, tu mets dans ton sac pour voyager avec. Quand tu arrives à destination, tu piques ça dans la terre ou dans l'eau. Tu laisses, ça va pousser encore. Donc, quand vous venez d'aménager dans votre maison, faites l'effort d'avoir l'arbre de paix. Tu peux avoir un au salon, tu mets un peut-être à l'entrée de la maison, tu mets l'autre dans ta chambre, dans un coin de la chambre. Généralement, les anges aiment beaucoup ça. Donc là où tu as mis ton arbre de paix, là, ton ange généralement va venir là-bas rester. Tu peux même mettre sur la table au salon. Et l'arbre de paix a plusieurs formes. Il y en a qui sont un peu beaux avec des traits blancs dessus, c'est vert, mais avec des traits blancs sur le bord. Il y en a qui sont purement comme l'arbre de paix du village que tu connais là, pu, pu, pu là. Mais parfois en étranger, quand tu es hors du Cameroun, c'est un peu difficile de trouver pour le village là. Donc ceux qui sont au Canada, parfois vous avez d'autres variétés. Oui, Vérène, justement, l'arbre de paix du village là, ça pousse difficilement là-bas. Mais en quittant du village, tu peux même prendre ta terre. Tu prends même la terre de chez toi là-bas. Tu prends au village, non? 1 kg dans tes bagages, c'est quoi? Tu as 46 kilos pour mettre dans Air France. C'est pas seulement pour acheter le kilichi, non. Le kilichi, depuis le kilichi. Ah, le numéro du Gabon, pardon. Le numéro du Gabon, c'est le 0741 80080. 0741 80080. Oui, même l'ISOP. Monaco, je ne force personne à mettre l'arbre de paix chez lui. Tu as compris? Avec gloire à Dieu Jésus-Christ, c'est partout. Il n'y a pas de problème. Maintenant, vous achetez aussi les effigies de la Vierge Marie, les effigies de Jésus-Christ, de l'ange Saint-Michel, Saint-Michel. Vous mettez ça dans votre maison. Allez sur le truc, hein, vous allez en ligne, vous écrivez arbre de paix, vous allez voir ça. Généralement, quand je vois ça sur les statues des gens, l'arbre de paix met avec le jujube à côté. Donc, vous mettez ça en pot, poussez ça, ou bien tu peux aussi prendre un bout d'arbre de paix, tu accroches en haut de ta porte. Et le jujube aussi, vous pouvez l'avoir en entier. Vous l'attachez sur quelque chose, vous déposez en haut des portes et des fenêtres de votre maison. Vous comprenez? Ok. J'ai parlé des effigies, n'oubliez pas. Maintenant, le sel que vous avez acheté, demandez aussi la poudre Saint-Michel. Ceux qui sont à droite, là, quand vous achetez certaines choses, vous pouvez demander, on en vend aussi chez nous. La poudre Saint-Michel. Ce sont les outils que vous devez avoir à la maison. Souvent, les soirs comme ça, tu peux te lever, tu verses la poudre au sol. Et cette poudre-là, peut-être, tu frottes tes bijoux avec. Tu verses au sol, tu pries. S'il y a toutes nos mauvaises présences ici. Ce sont des choses que les catholiques connaissent. Les catholiques qui sont instruits connaissent. C'est tout des parfums Saint-Michel, poudre Saint-Michel, toutes ces choses-là. Ils connaissent. Mais les pentecôtistes, les gens qui ont un peu touché le pentecôtisme là, c'est comme si on en fait que vous, on enlève tout ça sur vous. Car moi, il y a seulement Jésus. Et on ne met rien chez nous. Voilà. J'essaie un peu de voir. Si vous pouvez savoir la photo de vos ancêtres chez vous. L'oreille clou de girofle, j'ai dit qu'il fallait brûler, non. Comment tu dis que j'ai pas fini avec ça? J'ai déjà dit ce qu'il fallait faire, tu brûles. Et tu peux le laurier, tu peux l'utiliser pour le bain, tu fais bouillir. Après, tu te laves avec. Le romarin, tu fais bouillir. Pour la vidéo du romarin, c'est sur TikTok. J'ai une vidéo comme ça. Je vais essayer de reposter un peu certaines vidéos de TikTok là.
Merci Alima pour les fleurs. Maman, tu es encore sur l'œuf depuis là. Ah ah, vous aussi. Soyez rapide pour relever les choses, non? Mon conjoint a pour habitude de mettre l'arbre de paix à l'entrée de la porte. Moi, je me moquais de lui. Ok, je crois que c'est maintenant toi, tu vas me commander les arbres de paix. Il va wonder seulement. Donc, la poudre Saint-Michel avec le sel béni, vous le mettez. Quand vous partez à Lourdes, vous avez l'eau bénie là-bas. Vous avez le sel béni. Vous achetez ça, vous rentrez avec. De temps en temps, vous versez à la maison. Vous aspergez l'eau bénie à la maison. Et le sel, vous le mettez un peu dans l'eau avec la poudre. Vous lavez le sol. Surtout quand vous venez d'aménager. Vous lavez toute la maison. Et en lavant, vous méditez vraiment. N'importe quelle parole qu'on a prononcée ici, n'importe quel esprit qui est resté dans cette maison. Quand je viens te laver comme ça, là, je déclare que tu sors. The French is double. Stacy Dom, achète la poudre de désenvoûtement. Là, j'ai beaucoup de témoignages pour les grossesses. Beaucoup de personnes sont tombées enceintes avec ça. La poudre de le thé de désenvoûtement, là, achète ça. Si tu as l'eau de la rivière de ton village, tu peux te laver avec. Parfois, le sable, là, tu mets un peu une pincée dans l'eau. Dans ton eau de bain, avec l'eau de ton village. Et en te lavant avec, tu demandes à tous les anciens de ton village que les forces positives qu'il y a dans ton village, qui viennent, et tu demandes ce que tu veux. Tu mets ça dans l'eau, tu parles, après tu te laves avec. Parce que je sais que vous régnez souvent votre village. Mais il y a chaque village, chaque ville a ses entités, positives et négatives. Donc quand tu appelles les positifs, tu dis voilà, aidez-moi, je suis votre enfant. Aidez-moi. Oui, tu peux faire le sel avec les jeunes quand tu es enceinte. On peut faire la pause. Reposez-vous un peu, j'arrive. Ceux qui veulent partir, partent. Ok. Vous avez que les forces, c'est pas moi mes choses. Voilà, je reviens. Préparez aussi vos questions.
Ok, tu fais le lavage à distance. Et il faut écrire sur le 693 50 22 66. Numéro du Gabon, c'est le 07 41 80 0 80. À Libreville, on est à Louis et à Saint-Germain. Iris, tu n'as pas bougé. Parfois sur Facebook, j'aime quand les gens se battent. Et les gens qui sont là, c'est moi pour le bling-bling. Mes vidéos ne sont pas pour vous. Tu as Abidjan. Il y a le numéro d'Abidjan. Prends le numéro si tu écris dessus, tu te mets le numéro d'Abidjan. 00237. 693 50 22 66. Écris dessus. Je dis que c'est Anato sur mon cabaret. Et c'est Dieu. Vous êtes terrible. Donc 693 50 22 66. Lavage à distance, c'est la même chose, 56 dollars. Le kit fondation, ça va peut-être, avec l'envoi, ça va peut-être te prendre 100, 170 dollars. Le kit fondation. Donc 00237 693 50 22 66. 00237, le deuxième numéro, 680 71 07 01. Voilà les numéros. Écrivez à ce numéro si on va vous donner le numéro de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas le numéro de Côte d'Ivoire. Je suis à Abidjan à partir du 3. Hein. Je vais commencer les consultations à Abidjan à partir du 3. Prenez juste rendez-vous, ils vont vous dire. Pour le Gabon, je consulte au Gabon demain. Ok, tiens, Elva Jean, écrit pour aujourd'hui. Ceux qui ont payé les consultations VIP là. Le donne-moi tout peut aider. Pour l'envoûtement, je ne pense pas que seulement le donne-moi tout va t'aider. L'envoûtement, tu dois prendre encore d'autres choses, tu ajoutes dessus. Pour le Gabon, c'est le 07 41 80 080. Le kit fondation, c'est un ensemble de produits que j'ai mis ensemble qui te permettent d'enlever les fondations négatives, malédiction de famille, les mauvaises choses qui te bloquent depuis, venant de ta mère ou venant de ton père. Je vous ai dit que le numéro d'Abidjan, vous devez écrire au Cameroun, on vous le donne, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Béatrice. La reine Amani, merci. Ajoute 100 ans à ma vie. Je vais prendre les 100 ans. La consultation au Gabon, c'est 40 000. Maman, on dit que ton étoile au Canada, mamie. Eh ouais, oh. Que ton étoile au Canada, chérie. Oui, si tu as l'eau de Kribi et que tu te laves avec, c'est bien. Pour me rencontrer, si tu es en France, quand tu vis au Cameroun, tu prends rendez-vous. C'est un peu ma chérie.
Oui, si tu veux le kit de déblocage, tu envoies quelqu'un au Cameroun chercher. J'ai à donner le numéro là-bas. Bon, je vais bénir vos dîmes parce que demain, normalement, il y a des gens qui vont envoyer les dîmes. Donc, je vous ai déjà montré comment faire pour la dîme. Vous devez prendre Malachi. Quand toi, tu as ton salaire et que tu penses que tu vas payer ta dîme chez moi, je vais te montrer le processus. Donc, tu prends ta Bible, tu ouvres Malachi. L'astuce du cadenas, je ne vais pas donner ça aujourd'hui. C'est sur la page, vous allez regarder. Malachi chapitre 3. Versets 10, 11 et 12. Pour le Gabon, j'ai donné le numéro 0741 80 080. Tu écris à ce numéro, tu appelles. Ta dîme, c'est 10% de ce que tu as reçu comme profit dans ton business ou comme salaire. Supposons que tu as fait un business, ça a donné 2 millions. La dîme, c'est 200 000. Je rappelle que la dîme, ce n'est pas pour... Oh, Dieu s'ennuie, Dieu n'a pas d'argent, il a besoin de ton argent. La dîme, c'est pour te faire prospérer. Et malheureusement, il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, parce que ça, c'est le problème que j'ai là-bas. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas été instruits sur la bonne voie de faire la spiritualité. On vous a toujours montré pour les voleurs. Comment faire pour voler, oh, faire que mon mari soit, ne me trompe jamais. Oh, comment faire que... On ne t'a pas montré comment prospérer. Par des principes divins purs. Comment utiliser ce qu'il y a autour de toi pour prospérer. La dîme, c'est un principe. Arrête de chercher que oh, je vais faire comment pour attacher mon mari. Oh, je vais faire comment pour qu'il soit seulement attiré par moi. C'est comme si tu veux contrôler la volonté de quelqu'un. La Bible dit que quand tu payes ta dîme, le Seigneur va chasser le voleur. Il va repousser le voleur de chez toi. Il rebuke de devour. Le truc, c'est que vous aimez qu'on vous dise ce que vous allez faire, mais vous n'aimez pas qu'on vous dise peut-être que vous allez mettre l'intégrité dans vos choses. Ah, ça veut dire que je vais pas faire le faux. Ah. Et certains d'entre vous, vous savez que vous êtes marié avec un homme, mais vous le trompez. Vous avez au moins trois dragueurs dehors qui vous donnent encore l'argent. Et tu es marié. Hein? Pourquoi tu veux que Dieu vienne bénir tout ce que tu fais, ma chérie? Non, sincèrement, parlons. L'esprit de vérité. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous ne pensez pas que ça existe. Ça te guide et ça rend riche. Proverbe chapitre 10, verset 22. La bénédiction de l'Éternel, ça rend riche et ça n'apporte pas de larmes. It is the blessing of the Lord. Je vais d'abord vous lire ça avant de lire Malachi. Beautiful girl. Beautiful girl. Come, come. Ok, continue alors tes cours. Proverbe 10. The blessing of the Lord brings wealth. C'est la bénédiction de Dieu qui t'apporte l'argent. Without painful toil. Et ça n'apporte pas de douleur. Je sais que vous ne pensez pas que c'est possible d'arriver à un endroit. Parce que quand tu vas commencer à voir, quand tu vas commencer, tes dons vont commencer à s'ouvrir. Tu vas faire tes produits, tu vas vendre. Les gens vont commencer à te jalouser, tu sais ça. Tu as raison, ça, tu as dit que je vous ai fait quoi? Tu as raison, ça, tu as ton entreprise. Tu as voir pendant 2 ans pour construire cette entreprise. Tu mets quelqu'un, il vient, il pense que tout ce qui est dans ton magasin lui appartient. Il voit ton bénéfice que tu te fais, ça l'énerve. Il dit que moi aussi je dois bénéficier. Il ne connaît pas l'argent que tu investis. Il ne connaît pas la sueur. Combien tu t'es privé pendant des années pour pouvoir construire ça. Il croit qu'il a droit à ta chose. Arrête,
Et ça, c'est les tentations qu'on a. Florence, prendre l'argent des dragueurs en étant mariée, je connais que vous faites ça, je connais. Je sais que beaucoup de personnes ont quitté de mon direct, quitté. Vous aimez qu'on vous donne les astuces, vous n'aimez pas qu'on met la vérité dans vos choses, dans votre cœur, vous n'aimez pas. L'un ne marche pas sans l'autre. Parce que vous n'aimez pas faire les choses dans la pureté. C'est la pureté de ton cœur qui fait que les gens vont venir avec de mauvaises intentions, ils ne vont pas t'atteindre. Quelqu'un va venir dans ta caisse, il veut prendre ton argent. Il porte même 10 millions comme ça, il part avec. Le mois qui suit, tu fais un chiffre d'affaires de 25 millions. Donc Dieu comble les 10 millions là, il augmente encore l'autre au-dessus. En un mois, s'il vous plaît. Je vous dis. C'est pour ça que j'ai dit toujours que les gens n'ont pas peur. Mais les gens ne savent pas que moi, dans ma vie, j'ai activé des principes divins qui me protège. Vous montez, vous descendez, vous faites n'importe comment. Merci pour la casquette. Venez n'importe comment. Lisons seulement ce que la Bible dit. Il dit... Voilà tes 10% que tu as mis. Tu veux ouvrir un business, on t'a donné 3 millions pour que tu te lances. Tu as 3 millions là, tu prends 300 000. Il dit Seigneur. Et beaucoup de femmes paient la dîme par rapport aux hommes. Beaucoup d'hommes durcissent un peu sur la dîme. Je ne vous enseigne que les principes. Maintenant, si vous voulez faire, vous faites, vous ne voulez pas faire. Et moi, oh. L'affaire là, on ne force pas. On ne force pas. Donc tu as tes 300 000, tu dis ok Seigneur. Papa Yahweh, et je dis toujours, chaque fois que tu sors ton argent pour faire une offrande, pour faire une offrande à un orphelinat, pour faire ta, pour payer ta dîme, pour aider quelqu'un, je ne sais pas. Quand tu sors, quand une substance sort de toi, c'est une opportunité pour toi pour demander quelque chose à Dieu. On ne vous a pas enseigné le pouvoir de l'offrande. C'est pour ça que Jésus a dit que it is more blessing to give than to receive. Il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Ça ne veut pas dire que tu donnes, tu te vides. Parce qu'il sait que quand tu es en train de donner, tu es en train de semer. Tu es en train de semer. Beaucoup d'entre vous, vous avez ouvert vos entreprises. C'est aussi là comme ça. Pas de protection spirituelle sur cette entreprise. Parfois, tu ouvres ton magasin dans une rue. Que tu as au moins 3 personnes qui sont allées pratiquer pour que les magasins qui sont dans la rue là ne prospèrent pas. Qu'il n'y a que pour eux qui va prospérer. Vous avez 2 quincailleries face à face. Toi, tu as seulement ouvert ta part. Hein? C'est comme le gars à choix. Tu as ouvert tout. Tu as... Lui, mon frère, il allait faire des choses. Que tout quincailleur dans ma rue ici, là, il n'y a que moi qui va avancer. Mais toi, tu payes ta dîme. Tu fais des astuces ici. Oh Seigneur, que les clients que tu as prévus pour moi ce mois viennent à moi. Qu'ils ne soient pas détournés par qui que ce soit dans tous les sphères spirituelles. Parce que les attaques viennent de l'extérieur et ça vient aussi de l'intérieur. Parfois tu te focalises seulement sur l'extérieur. Après on te dit que ton comptable est en train de te faire le taper d'eau. Oui. Que c'est ta personne qui est celui qui prend l'argent, qui reçoit l'argent pour ça là, pour aller mettre à la banque. C'est lui qui prend. Merci pour le parfum. Ah, vous me gâtez avec les choses aujourd'hui sur TikTok. Merci. Oh. Merci ma chérie pour le parfum. Le prix du kit de déblocage. Tu as écrit sur le message sur WhatsApp, ma chérie. J'ai les assistants qui font les messages, mamie. Donc si vous écrivez, pardon, soyez vraiment patient, vous écrivez encore. Merci. Merci pour le cœur, Alima. Thank you. Merci pour le parfum. Et sachez que toute prière que tu fais, tu mets ta foi et tu engages un cadeau, quelque chose, un objet que tu
tu mets dans la transaction et tu as mis la vérité sur ça, ça pèse dans les tribunaux spirituels. Félicité, tu vas passer ton temps à demander les courriers. Tout ce que j'ai dit d'autre là, n'écoute pas. Tu as compris, ma chérie? Oh, you are. Voilà. Quand mon temps va venir, il va te bloquer. Tu as compris, ma chérie? Voilà comment moi, il fonctionne. Quand tu seras un message de trop, tu vas seulement voir que tu ne vois plus mes vidéos parce qu'il t'aurait bloqué. Donc, tu déposes tes 300 000. Tu écris sur ton papier ce que tu désires. Je vais payer le loyer de ce magasin. Je déclare que dès la première semaine, je vends ici. Je déclare que je fais le chiffre d'affaires de 5 millions le mois. Je déclare que je reçois les employés qui sont fidèles. Aussi, ce que Dieu vous donne, ce à quoi Dieu vous donne accès avec la dîme. Pardon. Donc, on va aller au verset 10. Il dit, amené à la maison du trésor toute la dîme pour qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Et puis, il dit, testez-moi pour voir si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux et verser tellement de bénédictions sur vous que vous n'aurez même pas d'endroit où le garder. Je suis en train de lire le NIV, la nouvelle New International Version. New International Version. C'est ça que je suis en train de lire. Je traduis en français une fois. Et il dit, je vais prévenir, je vais empêcher la peste pour qu'elle ne dévore pas vos récoltes. Souvent, tu me prends ton argent, tu sèmes sur un business, tu as tout mis. Les clients ne viennent pas. Tu demandes le bilan à la secrétaire le soir. Deux clients sont entrés, monsieur. On a vendu 5 000. Même le loyer là-bas, ça ne paye pas en une journée. Il dit que c'est Dieu qui va déposer la bénédiction sur toi. Hein. Ce n'est pas le pasteur qui va te bénir. Je suis non, ma chérie. Je sais que votre problème, oh mon pasteur, ce n'est pas le pasteur qui a dit qu'il va te bénir, c'est Dieu. Donc quand tu payes la dîme là, il dit qu'il va empêcher la peste pour que ça ne dévore pas tes récoltes. Et ton champ, and the vines in your field will not drop their fruit before it's ripe. Et il dit que les fruits de ton champ ne vont pas tomber avant qu'ils ne soient prêts, avant qu'ils ne soient mûrs. Parfois, tu as un business que tu es en train d'entretenir avec quelqu'un. Vous allez peut-être, le business va éclore en 14 novembre. On te contacte le 20 octobre, on dit non, c'est annulé. On t'a mis hors du truc. Merci pour les fleurs, Ogélia. René, merci. Donc, tu commences une négociation, c'est bon, ça promet. Subitement, pap, on te coupe du deal. La dîme, en fait, ça te... Et quand tu paies la dîme, tu dois rentrer dans un mindset que, même quand tu dors, tu sais que mes choses ne peuvent pas tomber. Moi, c'est même maintenant sur quelque chose, ça va marcher. Igo waka. Quelqu'un ose me voler, on ne me volera pas. Mais si quelqu'un ose me voler, ce qu'il a volé, ça me revient 10 fois plus, le même mois. C'est le Seigneur qui a promis. C'est le Seigneur qui a promis, ce n'est pas moi. Il a donné le contrat que si tu payes ta dîme, comme moi j'ai payé ma dîme, toutes mes choses sont bénies. Oh madame, tu sais, ça ne va pas marcher. Non. Mon comptable connaît, il y a les mots qu'il ne peut pas me dire. Je dis, mais il n'y a pas l'argent. J'ai dit que quoi? Tu me connais même. Il ne me dit jamais qu'il n'y a pas l'argent pour faire quelque chose. Mon argent ne vient pas de ce que tu vois dans mon compte. J'ai même pas d'abord un compte. Je te montre ce qu'il veut que tu vois. Il y a toujours des ressources. Parce que tu as tapé dans un principe divin. Et c'est tellement spirituel que tu ne peux pas expliquer. Je ne peux pas vous expliquer tout ça, de A, B, C, D, vous comprenez. C'est quelque chose que soit tu crois, soit tu ne crois pas. Mais si tu veux, tu crois, tu appliques. Parce que pour montrer que tu crois, tu appliques.
C'est un pacte, je crois, mais je ne veux pas payer ma dîme maintenant. Quand tu crois, tu fais. Quand tu crois, tu fais. Et vous voyez, ce qui manque à la motivation du développement personnel, c'est la touche spirituelle. Tu crois tu peux, oui, mais tu ajoutes des principes. Ok, Kadi dit que la dîme fonctionne, ça t'a déjà sauvé plusieurs fois. Super. Je sais qu'il y a des personnes que c'est maintenant que vous allez recommencer à payer votre dîme fidèlement. Et quand vous envoyez votre dîme, ce n'est pas parce que je ne vous écris pas que vous allez croire peut-être que je n'ai pas reçu votre dîme ou je n'ai pas béni votre dîme. Il y a des gens que chaque jour m'envoient la dîme de 1000 francs. Je ne vais pas vous écrire chaque jour pour dire béni ta dîme. Je suis désolée. Il y a des gens que je vous envoie même la dîme de 500 000 parfois. Je ne vois pas le message. Ça ne veut pas dire que ta dîme n'est pas bénie. Pour le Gabon, vous allez appeler après. N'appelez pas maintenant. Il y a Christy qui dit que la dîme lui a permis de voyager. La dernière fois, j'ai cédé mon travail. Tu as cédé ton travail comme tu avais dit pour mon voyage. Ça avait marché. Ok. Merci pour vos vœux de joyeux anniversaire. Félicité. Est-ce que je dois t'enlever de mon direct? Félicité, va demander à tes anges gardiens. Demande à ton ange à quoi servent les courriers. T'as compris? Et tu déclares, tu parles, tu déclares. S'il y a des projets qui sont en cours, tu ouvres là, tu déclares que ces projets vont aboutir. Tu déclares qu'ils ne vont pas être arrêtés. S'il y a un argent que tu attends, tu déclares que cet argent va être donné. Tu appelles même d'autres business que tu ne connais pas encore. Ça, c'est les prières que tu fais sur ta dîme, avant d'envoyer ta dîme, avant de payer ta dîme. N'accumulez pas la dîme sur 5 mois. Oh, voilà ma dîme de... Non, ne faites pas ça. Maximum un mois, paye ta dîme. Si tu peux, même chaque semaine, paye ta dîme. Oh, bonjour, Brice Fosso. Comment tu vas? Merci, Asta. Oh, la chapelle des vainqueurs, ça, c'est un endroit où j'ai vraiment... Il m'a incrusté, Bishop David de Dépôt. J'ai servi là-bas pendant un an, en Angleterre. Là-bas que j'ai vraiment... Et il vous dit, Bishop David de Dépôt, il ne coupe pas derrière vous pour la dîme. Il te dit, si tu veux, tu payes. Tu veux, tu ne payes pas. Tu vas lire l'heure. Ne paye pas, non. Tu vas lire l'heure seul. Vous savez, vous aimez les églises où on vous prie, où on vous supplie. Ouais, payez vos dîmes, s'il vous plaît. Je vais toller ma maison au village. Ne payez pas. Fais confirmer. Donc ta dîme, tu pries dessus, tu la bénis, tu mets tes intentions dessus. Et puis tu envoies, si vous êtes au Cameroun, vous pouvez passer au bureau. Avec votre enveloppe dans laquelle vous avez déjà pris, vous priez, vous écrivez dessus, vous mettez dedans. Vous partez là-bas déposer. Par PayPal aussi, vous pouvez envoyer. Mais toutes ces prières-là, vous faites, vous envoyez. Vous faites, vous envoyez. On va envoyer l'argent. Par Orange Money, il y a les numéros là. Bon, ceux qui sont au Gabon, par Airtel. Airtel, c'est le 07 47 39 179. Je sais qu'il y en a parmi vous, vous aviez arrêté la dîme. Vous aviez arrêté, recommencé à payer votre dîme. Et vous payez la dîme là où vous êtes. Demandez au Saint-Esprit de vous guider. Il y a des gens qui vont dans des églises. Et quand ils écoutent mes enseignements, ils disent, waouh, tes enseignements m'ont tellement ouvert l'esprit. Je sens que je veux payer ma dîme chez toi. Maintenant, ne crois pas que le jour où tu vas arrêter de payer ta dîme chez moi, je vais te détester. Je ne cours pas derrière les... C'est le Seigneur qui t'amène vers moi. Ce n'est pas moi qui cours derrière toi. Tu comprends, hein? Mais je connais que les enseignements que j'ai donnés, ça t'a béni.
Et le fait que ça t'a béni là, je reçois déjà ma bénédiction, même avant que toi tu n'envoies ta dîme chez moi. Vous comprenez? C'est comme ça que l'univers fonctionne. Parce que je vous donne des choses qui vous aident. Je suis en train de vous donner la richesse spirituelle. Donc j'ai déjà le retour. Parce que j'ai eu des gens parfois qui m'envoyaient des dîmes, après ils ont arrêté croyant que je vais les recontacter pour dire ah pourquoi, comment. Et j'ai dit non, ta dîme n'était pas mon salaire. En fait, c'était même un honneur pour toi de payer ta dîme chez moi. Je me rappelle, j'avais un monsieur chez qui je payais ma dîme avant. Au début, j'ai beaucoup galéré avant qu'il accepte que je paye ma dîme. Parce qu'il avait une bénédiction sur lui. Et j'ai beaucoup galéré pour qu'il accepte de me donner son numéro d'Orange Money. Il ne voulait pas. Il me dit non. Je dis que ouais, je veux payer ma dîme. Il dit non. Il dit ah, c'est lui qui ça qui crâne. Au début, il m'a énervé. Je prie. Dieu me dit toujours que va chez lui payer ta dîme. Je dis hop. Finalement, il a accepté. Et c'est pas le genre qu'il m'appelait. Non, quand j'envoie ma dîme seulement, j'envoie, je prie sur ça moi-même. Ça, la dîme, c'est un principe que ça fait au moins 5 ans que j'applique. La dernière fois que j'ai arrêté de payer ma dîme, c'était en décembre 2020. Depuis, je n'ai plus jamais, pendant décembre 2020, janvier 2020, pardon, 21. Après, là, je n'ai plus jamais. Donc, j'ai repris ça en février 2021. De février, là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais arrêté de payer ma dîme. Et je ne vais pas vous mentir, il y a des gens qui parlent comme ça, là, oui. Après, vous dites encore que ah, la dîme, c'est très intime. La dîme est intime. C'est ton intimité. Il y a des femmes qui payent la dîme, le mari ne paye pas. Et quand vous voyez le mari, il souffre toujours, il a toujours les petits problèmes d'argent. Il a tous les petits problèmes d'argent. Tu vois, la femme, elle, non. Hey, est-ce comme ça la femme? Petite promotion au boulot. Madame, voilà. Un petit bonus. 50 000, 100 000. Elle rentre le soir, chérie. On m'a donné le bonus au boulot aujourd'hui. Hein? Félicité, il n'y a pas de problème. Félicité, je t'ai demandé de demander à tes anges. Ils vont te répondre. Tu as compris, Félicité? Elle reste comme ça là. Petite faveur. Elle a toujours les petites faveurs, je ne sais pas. Son mari est même jaloux souvent. Il est jaloux, pénis. Pourquoi ma femme s'y a. Non, elle paye sa dîme. Par contre, il y a aussi des hommes, très rarement, vraiment, on va dire pour 5 femmes qui paient leur dîme, tu as 2 hommes qui paient leur dîme. Je ne sais pas pourquoi. Parce que les hommes sont plus. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, vous voyez un peu, je ne sais pas pourquoi. Tu ne travailles pas, mais on te donne, quelqu'un te donne forcément l'argent pour que tu payes le taxi, non? Quelqu'un te donne l'argent pour que tu payes quand même tes, je sais pas, des chaussures, je sais pas. Parce que parfois vous dites que quand je vais travailler, qu'elle vais payer ma dîme. Non. Même si c'est 5 000 qu'on te donne par semaine, on te donne quand même l'argent. Donc, je vous donne déjà les numéros. Le numéro du Gabon, c'est le 07 41 80 080. Bonjour petit oiseau, tu veux venir dans mon direct? Eh, c'est toi qui étais à ma fenêtre hier. Je ne sais pas si tu as fait le nid, c'est la fenêtre. Eva, tu dis que je suis douce. Souvent, ils grondent beaucoup. Hein. Quand les gens me voient physiquement, ils disent que je suis gentille, plus gentille qu'à l'écran. Mais quand on me voit sur les vidéos comme ça, là, on pense que je gronde jusqu'à que je choque. Et choque, et choque. Et Malachie chapitre 3, verset 12. Et toutes les nations vont t'appeler béni. Et je vous ai montré que la bénédiction rend riche. Donc, pourquoi on te regarde, on dit que hey, la fille est baignée? Ça veut dire que ça se voit. Ça se voit. Et vous savez, parfois, supposons que tu cherches une maison pour louer depuis ou bien tu cherches un terrain. Toi, tu payes ta dîme.
Bon, pour les dîmes du Cameroun, je vais vous donner les numéros. Après, vous allez arrêter de me demander les numéros. Ceux qui vont envoyer leur dîme au Cameroun chez moi, il y a le numéro 693 50 22 66. Prenez de quoi noter. Ne me dites pas, il n'y a pas de tenue. 693 50 22 66. Le deuxième numéro, 698 j'ai dit 367 221. Si vous êtes au Togo, écrivez-nous sur WhatsApp. On va vous donner les détails pour envoyer par RIA ou Western Union. Donc 698 367 221. Et le numéro MTN, c'est le 680 71 07 01. Bonjour la reine Foster. Et puis au Gabon, c'est le 0747 39 179. Et le nom, c'est Jean d'Éric pour le Congo, le Gabon. Le nom pour le Cameroun, c'est Joseline. Et quand vous avant d'envoyer, priez sur vos dîmes, mettez Dieu à l'épreuve. Au Sénégal, vous écrivez sur le WhatsApp du 00237 680. Prenez de quoi noter. Je sais que vous n'avez pas encore pris de quoi noter, je sais pas pourquoi. 00237 680 71 0701. Vous envoyez sur ce numéro là ok. Donc, je suppose que ce soit en Côte d'Ivoire, écrivez ce numéro camerounais, on va vous donner le numéro de la Côte d'Ivoire. Voilà. Quand vous et je suis consciente aussi qu'il y a des moments où vous serez un peu attaqué, pas un peu, vous serez beaucoup attaqué. Quand tu commences à engager des principes spirituels qui sont censés te délivrer, pour le Cameroun c'est 680, ce n'est pas 670. 680 71 0701 pour le Cameroun. Genre, supposons que tu commences à te laver déjà avec ton sel, tu fais du bain de pipi, tu as mis des outils de protection dont j'ai parlé dans la vidéo, tu as mis ça dans ta maison, tu as fait peut-être le kit fondation, tu as pris le kit de déblocage, tu as commencé à faire le travail. Et quand tu commences à faire, ça réveille des entités. Ah, elle croit qu'elle part où? Elle veut se libérer comment? Le PayPal, c'est Aurélie, A-U-R-E-L-I-E. Aurélie Michel, avec deux L-E. Donc Aurélie, A-U-R-E-L-I-E. Michel, M-I-C-H-E-L-L-E. 2017. @gmail.com. Voilà. Aurélie Michel 2017 @gmail.com. Pour le compte PayPal, ça va s'afficher en livres sterling. C'est mon compte en Angleterre, donc ça va s'afficher en pounds. Ça va convertir l'argent en livres sterling. Et là, vous allez voir mon nom s'afficher, Joseline. Donc là, vous envoyez. Si c'est pas bon, vous écrivez sur WhatsApp, on va vous le donner. Je résume tout à WhatsApp. Écrivez sur WhatsApp, on va vous envoyer les détails. Voilà. Quand vous êtes attaqué, ils vont voir que, ah, on l'a déjà laissé un peu se libérer. Elle a rencontré l'homme là. Ok. On va faire, l'homme là va se lever le matin, il va la détester. Subitement, il se lève un beau matin, il commence à te faire des problèmes. Tu ne comprends pas d'où ça sort. Ma chérie, quand le problème ça accentue là, hein, accentue aussi ton travail. Quand tu rencontres même un homme, prends une bouteille de vin, tu vas verser, tu dis que les ancêtres, que l'homme s'il soit la bonne personne. C'est n'importe quoi de son côté ou de ma part qui veut bloquer qu'on ne soit pas ensemble. J'enlève déjà ce nom de Jésus.
il y a aussi l'eau. Bon, je suis aujourd'hui, je suis fatigué. Il y a tout bas, trop bavardé. Vous voulez vous faire, si vous voulez, vous ne faites pas. Vous avez suivi, non. Merci beaucoup pour le joyeux anniversaire. Bon, je vais y aller. Je vais faire presque 1h50 de direct. J'espère que les astuces que j'ai données, ça va vous aider. René, merci pour ce que tu m'as offert. C'est le parfum, c'est quoi comme ça? Wishing bottle. Thank you. Toi qui as perdu ta mère, je souhaite que tu sois, légère. Et enlève toute tristesse. Le papillon, c'est une bonne nouvelle spirituellement. Le papillon est bien. Reine! Viens ici. Reine? Tu déranges pourquoi? Viens ici. Pourquoi tu déranges? Reine? Viens ici. Mon chat. Je vais te taper. Tu as compris, non? Rocher. Voilà. Je ne cherche pas comment réussir un jour d'anniversaire spirituellement. Comment réussir tous les jours? Si tu réussis seulement le jour d'anniversaire, ça veut dire que tous les autres jours, tu veux que je, 364 jours, je marche, ça ne marche pas dans ma vie. Pour que ça marche un seul jour. Pardon. C'est pour ça que le jour d'anniversaire n'est pas très spécial pour moi. Yusa qui dit que Jésus m'aime. Moi, je t'aime. Toi, tu n'es même pas aussi. Vous aimez tout dire que Jésus aime les gens. Toi-même, tu m'aimes. Reine, viens ici. Reine? Moi, j'y vais où? Tu battais où? Choudel, tu dis que tu n'as pas le whisky. Tu vas chercher le vin. Vous êtes trop chiche. Tu veux que ta relation soit arrangée. Tu ne sors même pas 3 000 pour acheter le whisky pour aller. Chichade. En fait, vous dans la spiritualité, vous voulez avoir tout pour rien. C'est ça votre problème. Vous n'aimez pas sortir quelque chose de votre poche. Alors que l'homme là, il suffit qu'il te parle un peu bien comme ça là. Tu vas porter tout ton argent, tu vas aller lui donner. Après, il va te larguer. Il dit que si tu n'as pas le whisky à la maison, tu verses l'eau. Tu prends la bouteille d'eau de 400 francs, tu peux verser pour demander à quoi qu'on arrange ta relation avec l'homme. Ouais que. Arrêtez aussi, non. Pleurer l'argent que comment? Ah, ta fille m'aime beaucoup, c'est bien. Merci. Quel genre de vin rouge? Ouais, c'est bien. Si tu as même le vin de 15 ans d'âge. T'accuse que tu as volé 23 millions. Tu viens, tu demandes une petite prière. Prends une bouteille de vin, tu pars, tu verses, tu parles. Que justifie-moi pour cette affaire. Arrêtez votre truc. En fait, c'est les chrétiens qui ont un peu gâté la spiritualité. Vous aimez recevoir tout pour rien. Oh Seigneur. Le numéro Airtel, c'est le 0747. 0747. 39 179.
Tu veux le travail, tu veux que je prie pour toi, tu peux obtenir le travail. Non, vous abusez un peu. Pour vous, c'est genre, je veux rien pour tout pour rien. Pourquoi tu n'as pas le supermarché? Tu arrives là, tu dis donnez-moi ça, ça, ça. Tu arrives à la caisse, tu dis bye, merci. Tu ne payes pas. Le spirituel est comme le physique. Tout se paye. Et c'est l'église qui vous a mal conduit avec ça. Pour le Airtel Money, le nom c'est Jean d'Éric. Le nom qui va s'afficher. C'est pour ça qu'on vous obscurcit l'esprit. Donnez vos requêtes de prière. En demandant des requêtes de prière, il doit vous dire de mettre une offrande dessus. Oui. Tu mets tes doléances, tu prends une offrande, tu tapes dessus. Que Seigneur, voici mon sacrifice que je fais. Oh Seigneur, ouvre mon ventre pour que j'accouche. Oh Seigneur, je demande ça. Ouais. Tu peux même faire un don à l'orphelinat. Seigneur, pendant que les orphelins s'y mangent, comme ils vont manger comme ça, que ça ouvre mes portes. Voilà encore Yoru qui vient me demander, on peut prendre de l'eau minérale. Je viens de dire quoi sur l'eau ici? Tu vas même l'eau là que tu veux verser, tu vas aller demander, prendre chez ta soeur, tu vas prendre une bouteille d'eau dans sa chambre. Ta chose ne va pas marcher. Ça va pas marcher, t'es dit cash. Trop chiche. Chiche. C'est ça que vous faites, on vient vous escroquer. Parce que tu es chiche. Cash, dis-moi cash, tu es chiche. On n'a. On n'a. Tu as un business là que ça va te donner 50 millions. Tu viens, tu veux payer 2000. Ah, Jesus. 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 Hey. 2000. Pour que ton business de 50 millions marche. Même là, vous ne savez pas. Continue. Celle qui a envoyé les fleurs là, où c'est Orgélia. Vous savez que tu es une femme de l'eau, non? Orgélia. Tu es une femme de l'eau, je ne sais pas pourquoi ça te dérange. Tu fais comme si tu ne connais pas. Parce que vous connaissez ici, vous faites souvent comme ça. Ah, je ne connais pas. Alors que tu connais. Beaucoup d'entre vous là, vous êtes les traitants traditionnels. Vous venez sur ma page, je fais comme si. Oui. Non, je voulais que tu me donnes la Bible là-bas dedans. Ça ne te dérange pas, ça va. Merci. Le chapeau. Oui, tu peux donner la veille de faire l'orphelinat. À Yaoundé, on a Titi Garage. Le numéro de Yaoundé, écrit à Douala, on va te donner. 00237 693 680 71 0701. On va te donner le numéro de Yaoundé. Bon, moi, il finit avec vous. Hein. Moi, c'est dit bye. Bye. Vous n'aimez pas la vérité, mais moi, je vous dis la vérité. M'en fous. M'en fous. Et ça, qu'il y a des gens qui écoutent ce que je dis et ça les aide. Ils mettent ça en pratique, ça les aide. Les gens ont dit que voilà, ma vie a changé. Telle chose a changé dans ma vie. Ouais. Vous voulez avoir tout pour rien. Vous venez dans le direct qui est gratuit. On vous donne les astuces. Vous voulez partir faire. D'avoir le minimum d'argent. Ouais, Seigneur, arrêtez. Reine. Reine, viens. Regardez comment elle court, regardez comment elle va entrer ici là. Viens. Appelle-la encore là-bas. Appelle-la. Vas-y, va. Vas-y, va.
Appelle encore. Elle dit si elle n'est pas venue. Elle est partie. La chienne, c'est trop sage. Ouais. Bon, bonjour à vous. Ouais. Merci. On va manger le kouem pour l'anniversaire. C'est ça que vous voulez, le gâteau. On va manger le kouem qu'on va partager. Anatole est mort, promesse. Tu veux que je prenne encore Anatole où? Anatole fou. Anatole qui est fou. Bye-bye.